Assalamu alaikum, Azufalawan, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va préparer une bûche au chocolat blanc et caramel beurre salé. C'est bien. On va commencer avec la ganache au chocolat blanc. Ici, j'ai 200 g de chocolat blanc et là, 175 ml crème fraîche liquide. Je vais chauffer 75 g de crème liquide et l'autre, je vais la laisser froide. Vous pouvez mettre votre terrine sur un bain-marie pour le faire fondre plus rapide. Voilà mon chocolat est fondu. Je l'ai mis au bain-marie pour faciliter la tâche. Je vais mettre crème liquide froide. Le reste de la crème liquide. Voilà ma ganache est prête. Je vais la couvrir et je vais la laisser toute une nuit dans le réfrigérateur. Si vous trouvez qu'elle n'est pas assez pour votre gâteau, vous pouvez prendre encore plus de chocolat et mettre un peu de crème fraîche liquide. Je vais la couvrir et la laisser dans le réfrigérateur toute une nuit. Voilà. À demain. Rebonjour. Maintenant, on va préparer notre biscuit. En fait, c'est une pâte à choux à la façon de japonaise. Voilà, ici j'ai le lait, 100 ml de lait. 70 g beurre que je vais fondre sur un feu doux et puis je vais ajouter la farine. Voilà, mon beurre est fondu. Je vais mettre la farine un seul coup, 100 g de farine. Une pincée de sel. Je vais remettre cette pâte sur un feu doux pour la dessécher. Ici, j'ai 2 œufs entiers et 3 jaunes d'œufs. Là, j'ai 3 blancs d'œufs avec une pincée de sel que je vais monter en neige après. Je vais battre ces œufs comme une omelette pour ajouter sur la pâte petit à petit. Travaille la paille tout doucement pour incorporer les œufs. ~80 g de sucre. Je vais monter les blancs en neige.
préchauffer le four à 160 degrés. Je viens de le sortir du four, je vais le laisser refroidir complètement. Après, je vais le démouler et le garnir. Je vais l'imbiber avec un peu de sirop. Juste un peu. Je vais étaler le caramel beurre salé que je l'ai préparé auparavant. C'est facile de le faire. Je vais terminer pour monter ma ganache. Elle est bien ferme, comme vous voyez. Comme vous voyez, je l'ai roulé et je l'ai fermé sur son papier sulfurisé et je vais le mettre dans le congélateur une heure. Voilà, je viens de le sortir du congélateur. Je vais maintenant étaler, le garnir avec la ganache. Si votre ganache, vous la ratez, elle devient trop liquide, donc vous ajoutez du chocolat. Donc, c'est le chocolat double. D'accord ? Une pointe de caramel beurre salé. Et voilà le résultat de ma bûche au chocolat blanc et au caramel beurre salé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous likez, vous abonnez à ma chaîne et bonne année.